Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode des manuscrits de Mestre-Emon, le format club de lecture de Lagarde de Nuit, donc Lagarde de Nuit, association francophone de référence sur Le Trône de Fer, George Martin, Game of Thrones, House of the Dragon, maintenant évidemment, etc. Ce soir, on est là donc pour vous parler lecture, pour discuter du dernier livre qu'on a décidé de lire ensemble. Je suis John, je suis avec Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et avec une petite nouvelle dans l'équipe des manuscrits de Mestre-Emon, Flamme. Bonsoir à tous. Salut Flamme, bah on est ravis de t'avoir avec nous donc pour ce premier épisode d'une longue série, on espère. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton profil de lectrice pour qu'on sache un peu comment se situer par rapport à toi? Alors, il va être très rapide mon profil de lectrice. Ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment pris le temps de lire et en fait, je me suis dit que voilà, commencer avec un club de lecture comme le vôtre, c'était super intéressant. Surtout qu'il y a plein de suggestions qui sont trop top. Donc, ça m'a remise à la lecture, tout simplement. Voilà. Très bizarre. Donc, lectrice de retour en fait. Exactement, c'est ça. Trop bien. Bah, trop bonne initiative. Du coup, bah, ce soir, on va vous parler du premier livre de Chris Vuklicevic, Dernier jour d'un monde oublié. Avant ça, on va vous présenter les prochains livres dont on va parler dans les manuscrits de Mestre-Emon. On a un planning super chargé en ce moment, on n'arrête pas. Donc, comme ça, vous saurez. Quoi lire si vous voulez venir discuter avec nous. Et donc le prochain, va falloir vous y mettre très vite parce que c'est mardi prochain, Yoda. Oui, c'est mardi prochain, le 29 octobre, du coup. Et c'est une valse pour les grotesques. C'est pas facile à prononcer. De Guillaume Chaman-Adjian, qu'on connaît plutôt bien, puisque on n'avait pas lu pour les manuscrits de Maître Edmond, mais on est pas mal à l'avoir lu, sa trilogie de Capitale du Sud. Qui était aussi aux Forges de Vulcain d'ailleurs, et qui prenait place dans un univers un peu plus grand, du coup, en duo de trilogie avec Capitale du Nord aussi, de Claire Duvivier. Et donc, il a sorti un nouveau livre. Enfin, oui, il est sorti sur un nouveau livre, ça y est, il est sorti. Et du coup, donc, Une valse pour les grotesques, c'est l'histoire d'un étudiant en obstétrique, qui habite dans une ville au prénom. Oh non. Tous les noms sont imprononçables. Franchement, j'ai lu le résumé, j'ai fait attention, il va falloir s'accrocher. Donc, l'université de Châtenay. Et lui, il s'appelle Johann von Capriccio. C'est pas mal aussi. Et donc, cet étudiant en obstétrique qui se fait plus ou moins convoqué, kidnappé, en fait, par la femme du margrave, qui est la personne qui dirige la cité, en fait, pour parler de son enfant, à elle, pas à lui. Voilà. Donc voilà, c'est un livre qui a l'air très chouette. J'en dis pas trop pour pas trop vous raconter l'histoire. Que je ne l'ai pas encore lu, donc je ne voulais pas non plus trop me spoiler en lisant les résumés de chacun. Mais voilà, du coup, ça a l'air très très intéressant avec des noms un peu allemands ou autrichiens. Ça a l'air fun à lire. Voilà. Et donc, mardi 29 octobre, même endroit, même heure. Avec Narfa et Willa, vous allez bien vous amuser a priori pour parler des personnages du coup. C'est ça. Oh oui, le margrave, il s'appelle von Grunewald. Voilà. Super. Et S'entraîner à parler ouais, l'allemand. faut répéter avant. C'est ça. Et après, début novembre, alors je vous dis juste le premier qu'on va faire en novembre. En novembre, on a encore un programme chargé, on en a trois de prévus. On va juste vous présenter le premier pour l'instant parce qu'on va pas passer toute la soirée là-dessus. Ça sera Le livre de la nuit de Holly Black, donc qui est un premier tome. Ça sera le 7 novembre. C'est Lady Lilou, donc notre autre nouvelle dans l'équipe, qui fera du coup son deuxième manuscrit de Mestre-Aemon avec Nympha et Willa. Et donc le livre de la nuit, ça a l'air d'être de la fantasy un peu plus classique, j'ai envie de dire, en urban fantasy avec
une voleuse qui essaye de sortir de son gang dans un univers où les gens peuvent faire de la magie et apparemment une espèce de magie des ombres. Ça a l'air assez intrigant si vous aimez bien ce genre d'univers un peu plus urbain, du coup, a priori, ça a l'air assez sympa. Voilà, je vous en dis pas plus non plus parce que je l'ai pas lu. Et ça sera la surprise donc le 7 novembre, avant qu'on se retrouve encore plein d'autres fois en novembre. Et avant Programme de... chargé. Ouais, programme chargé jusqu'à la fin de l'année, a priori, vous allez pouvoir plein nous écouter parler et parler avec nous, surtout n'hésitez pas. Et avant de vous parler du livre de ce soir, c'est comme ça, quand même pour ça qu'on est là, mais vous savez, on aime bien vous faire des petites recos quand il y a des choses qu'on a bien aimées dans nos lectures récentes. Alors ce soir, il n'y a que moi qui ai quelque chose à vous recommander, et c'est He Who Drowned the World, donc celui qui noya le monde, c'est de Shelley Parker Chan, c'est le tome 2, donc c'est la suite et fin de She Who Became the Sun, donc celle qui devint le soleil, dont on avait fait un épisode des manuscrits de Maître Aemon il y a quelques temps déjà, avec Nympha et Yoda. J'avais beaucoup aimé le tome 1, Ça s'il va y en a être un de qui... nos tout premiers. Ouais. Donc s'il y en a qui nous regardent encore et qui nous regardaient déjà à l'époque, vous vous souvenez sûrement, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Yoda et Nympha, vous étiez un peu plus mitigés. Ouais. Et j'ai encore J'avais beaucoup... pas trop aimé le perso, si je me souviens bien. Ouais. C'est ça que tu nous avais dit, globalement. Enfin, si je me souviens bien. C'est à peu près ça. Pour situer, en gros, c'est une réécriture dans l'histoire chinoise de la montée au pouvoir d'un empereur qui part de rien, de paysan. Mais avec un twist, c'est-à-dire que dans cette réécriture, c'est en fait une femme, une paysanne, qui se fait passer pour un homme pour se faire respecter, prendre le pouvoir, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a tout plein de thématiques sur l'identité, sur l'altérité. J'avais trouvé ça super intéressant comme thématique dans le premier tome et j'ai aussi beaucoup aimé le deuxième tome. On retrouve pas mal ces thématiques de l'identité et de l'altérité avec, il y a aussi un personnage eunuque, qui est un personnage d'homme plutôt efféminé, qui est du coup très mal considéré, etc. Et il y a aussi plein de nouvelles thématiques autour du destin, autour de la volonté, autour de la vengeance. C'est vraiment un des sujets clés dans le livre, c'est la volonté et la vengeance. Et sur les conséquences de ça, les conséquences des actes, un peu une notion de est-ce que tout ça valait le coup qu'on n'avait pas du tout dans le tome 1, avec des personnages qui ont commettent plein d'actions en justifiant ça par la fin justifie les moyens. Et donc là, on a une réflexion qui arrive là-dessus. Et c'était très intéressant. En plus, on a les personnages principaux qui se diversifient un peu. Donc ça apporte d'autres éclairages, d'autres points de vue sur toute l'histoire. Moi, je les ai tous trouvés assez attachants. Et en plus, l'univers de la Chine du XIVe siècle, moi, j'y connais rien. Donc j'avoue que en plus, c'est assez dépaysant pour des Occidentaux, je pense. Donc voilà, si vous aviez bien aimé le tome 1, n'hésitez pas à lire le tome 2. Si vous n'avez pas lu le tome 1, n'hésitez pas à le lire ou à aller réécouter notre émission dessus pour avoir des avis plus nuancés, avoir les avis de celles qui n'avaient pas aimé. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, En fait, bref. ça me rend super curieux, j'ai presque envie de le lire maintenant. Ah, tu vois? Mais oui, mais parce que j'avais un problème avec ce personnage principal, moi, qu'avec qui j'avais pas trop accroché. Mais à côté de ça, il y avait d'autres trucs qui me plaisaient plutôt bien. Le problème, c'est que je m'étais un peu tout spoilé, en fait, en terminant le tome 1 et en allant sur Wikipédia pour lire, en fait, qu'est-ce qui se passait en Chine à cette époque-là. Donc, est-ce que du coup, ça suit bien Wikipédia? J'ai pas vérifié Wikipédia, mais globalement en fait c'est encore, je pense que ça dilue pas mal, c'est-à-dire que ça va moins vite que ce qu'on avait imaginé quand on avait discuté du tome 1. C'est-à-dire que c'est encore un D'accord. peu les péripéties avant d'arriver à la prise de pouvoir, quoi. Globalement. Donc bon, Ça on se marche. doute de comment ça Il va faut pas trop en finir, dire. de toute façon.
Mais même sans se spoiler sur Wikipédia, je trouve que depuis le début du livre, on a peu de doutes. Enfin, moi, j'avais peu de doutes sur comment ça finirait. Donc, c'est plus le chemin que j'ai trouvé intéressant. Et effectivement, pour les gens qui n'avaient pas aimé dans le tome 1, le personnage principal qui se remet peu en question et qu'on voit tout le temps, là, à la fois, elle se remet en question et on voit d'autres personnages. Donc, tout bénef. Voilà. Donc, Chris Vuklicevic, dernier jour d'un monde oublié. Flamme, est-ce que tu peux nous présenter un peu le livre et puis bah, ce que t'en as pensé? Ben, du coup, je commencerai par dire déjà que c'est un roman de science-fiction, et si je ne me trompe pas, c'est le premier de l'autrice, il me semble. Donc, chapeau à elle, parce qu'il est plutôt quand même bien écrit pour un premier roman, c'est chouette. Et pour résumer un peu l'histoire, c'est suite à une grande catastrophe, en fait, qui s'appelle La Grande Nuit. On retrouve du coup une île qui se croit être le centre du monde, en fait, et qui est un petit peu, on va dire, dans une espèce de fin pour elle. Elle commence un peu à disparaître, tout ça. Et en fait, elle est découverte par des pirates, tout simplement. Donc, ils se rendent compte qu'il n'y a pas qu'eux qui ont survécu à ça. Et ça va être une espèce de confrontation, en fait, entre plusieurs personnages et plusieurs mondes différents. Et du coup, de ce que j'en ai pensé, eh ben, je dirais que je suis très mitigée, en fait. J'ai trouvé que c'était très intéressant sur beaucoup de points, notamment le monde qui est très particulier. Il a un côté très onirique, je trouve. Et après, il y a eu une certaine lenteur au début du roman pour moi. C'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place et tout. Après, c'est très intéressant justement dans le fait de la description des lieux, etc., de tous les personnages. Et j'ai trouvé que ouais, le rythme devenait beaucoup plus intéressant dans les derniers chapitres, en fait, où toute l'action va se passer finalement. Et où certains personnages vont prendre une dimension très intéressante pour ma part. Super. Donc, Smiley plutôt content. Oui, voilà, plutôt satisfaite et surtout vers la fin. Ok. Yoda, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai été un peu mitigée. Pour un premier roman, c'est très bien. C'est pas le souci. C'est très bien écrit, ça. Avec des personnages, ouais, on y reviendra un peu sur les personnages. Moi, je suis beaucoup plus mitigée sur les personnages. Oui, alors l'écriture est très bien. Vraiment, c'est très très bien écrit. Vraiment pour un premier roman, moi j'ai trouvé ça assez remarquable. Mais j'ai vraiment eu du mal avec les personnages. J'ai eu du mal avec la tonalité du récit, en fait, aussi, que j'ai trouvé très défaitiste, un petit peu. J'ai pas trop accroché. Bah justement, j'ai pas trop accroché au personnage. Le résultat, ça s'est lu très bien. J'ai lu ça très très vite, ce qui est pas mal pour moi, qui suis plutôt longue à lire, surtout en ce moment. Mais j'étais un peu déçue. D'autant plus que pour le coup, c'était pas le premier roman que je lisais de Chris Vuklicevic et que j'avais adoré l'autre, vraiment, qui devait sûrement être ma meilleure lecture, je pense, de l'année dernière. Donc lui, bah, peut-être que j'en attendais trop, alors que finalement, si je les avais lus dans l'autre sens, ça aurait peut-être mieux passé. Mais donc voilà. Donc pour pas spoiler plus que ça, tout ça, je dirais que moi, j'en suis sortie un peu mitigée. D'où mon smiley, à moitié content, à moitié pas content. Le smiley mitigé. Exactement. Et toi, ton avis? Bah moi je suis globalement complètement d'accord avec toi en fait. Je pense que je me retrouve dans tout ce que tu as dit. Moi pareil, j'ai lu dans le mauvais sens aussi. Donc Du thé pour les fantômes, donc son autre roman que j'avais beaucoup beaucoup aimé, dont on avait fait aussi un manuscrit de Mestre d'ailleurs, qui pour le coup avait eu que des très bonnes critiques. J'avais lu aussi sa romantaisie Porcelaine sous les ruines, qu'elle a écrit sous un autre nom, Ada Vivalda, que j'avais plutôt apprécié aussi. Faut dire aussi que là, Dernier jour d'un monde oublié, ça a été recommandé pas mal sur La Garde de nuit. Donc effectivement, je partais confiant et j'ai été plutôt déçu. Et principalement, comme tu disais, par les personnages. En fait, moi, ça a commencé par ça, c'est-à-dire qu'ils sont quand même tous absolument antipathiques et désagréables.
Ce qui fait que... Tiens, encore plus fort que moi. Je les ai trouvés. Non, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec les personnages. Et moi, c'est vrai que quand je lis, c'est quelque chose qui par lequel ça passe beaucoup. C'est-à-dire que si j'arrive pas à m'attacher aux personnages, j'ai du mal à passer outre, j'ai du mal à m'intéresser à ce qu'ils font ou à ce qui leur arrive. Ça, en fait, ça m'intéresse plus vraiment. Du coup, à la fin, en fait, j'étais plus trop intéressé. Et comme disait Flamme, en plus, l'action se concentre plutôt sur la fin. Moi, c'était un moment où j'avais un peu déjà renoncé à ces personnages. Et avec l'ambiance, comme tu disais, Yoda, une ambiance qui est très pesante, il se passe rien de positif. Ça, j'ai pas pris beaucoup de plaisir, quoi, dans ma lecture. Donc, c'est dommage parce que le cadre, comme tu disais, Flamme, le cadre est super intéressant. Franchement, ce concept de une île qui pense être la seule rescapée d'un cataclysme mondial et qui découvre 300 ans plus tard qu'en fait, pas du tout. La vie a complètement continué sur les continents, avec tout un peuple qui est doté de dons. Ils ont tous des dons plus ou moins farfelus. Tout ça, c'est super intéressant. Mais ouais, pour moi, c'était trop sombre. Moi, ça m'a un peu fait penser à du Wallenstein. Donc, je pensais que tu aurais peut-être aimé Yoda. Ah, Parce mais tu que... sais que j'ai pensé à Wallenstein, que pour le coup, moi je trouve que Wallenstein, qui peut être super sinistre dans tous ses romans, dans tout, enfin vraiment, c'est dur, c'est sombre, c'est tout ce qu'on veut, mais je trouve que Wallenstein est plus positive, en fait, Ah ouais. que ce livre-là. Ah si. Ah. Ouais. J'ai carrément pensé en me disant, oh tiens, on dirait un peu du Relief Wallenstein avec des persos très sombres, très, très gris, très sombres. Très Mais désagréable. moi, je trouve que Wallenstein, à l'arrivée, en fait, est plus positive. Ouais. Mais bon. Qu'il y a plus une touche d'espoir sur la fin. Je ne l'ai pas toujours vécu comme ça, Oui. Wallenstein. Ça dépend peut-être des livres, mais... Bon, après, Wallenstein, c'est une autrice qui a écrit beaucoup plus. On ne peut pas non plus comparer un premier roman avec... Oui. Avec Wallenstein qu'on a écrit une quinzaine... Non, 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 c'était vraiment comparer ce roman avec Ouais. les livres d'Aurélie Wallenstein, voilà. Okay. Bon, donc, globalement, plutôt mif-mouf. Est-ce que on dégagerait, vous dégageriez quoi quand même comme point fort? Commençons par des points forts, par le positif. On a un peu dit le style, le concept. Je monopolise complètement la parole, donc vous me coupez. Hein, mais moi, c'est vrai que je pense que le concept du livre, c'est vraiment super intéressant et c'est pas quelque chose que moi j'ai beaucoup lu en tout cas. Cette idée de faux dernier survivant, je trouvais ça super original. Non, t'as raison, le concept, il est vachement intéressant, ouais. Je trouve qu'il est même mis de côté assez rapidement, alors que ça se concentre beaucoup sur les personnages, en fait. Et comme tu disais, Yoda, si on n'aime pas les personnages, ben, on est un peu déçu, quoi, du coup. Mais c'est exactement ça, je te rejoins complètement. Et moi, je suis assez d'accord parce que je trouvais que le concept de base avait l'air très intéressant. En fait, cette île qui vivait en autarcie avec personne d'autre, et en fait, on y apporte un petit élément déclencheur avec cette arrivée d'un bateau pirate. Partant de là, toute l'histoire va découler de là. Ça, il n'y a pas de souci. C'est bien pris en compte que le fait que ce bateau arrive va entraîner tous ces changements, tout ça. Mais en fait, je m'attendais presque à ce qu'il y ait plus une confrontation en fait d'idées entre ces pirates qui arrivaient et cette île en fait qui vivait sur place sans rien voir. Et finalement, à part bah, deux personnages qui sortent de leur bateau, les autres ils servent à rien. Enfin, ils sont pas là. Il n'y a pas finalement cette confrontation d'idées, enfin de points de vue tant que ça, entre une île qui a très très peu évolué puisqu'elle est restée sur son fonctionnement, même si on finit par comprendre un petit peu avec les interchapitres que un nouveau système s'est mis en place suite à la
à la Grande Nuit, que bon, à partir de là, mais ça fait 300 ans en fait que finalement ils ont très très peu évolué, même si Arthur et sa bénie en fait ont essayé d'un petit peu intégrer d'autres choses. Enfin bref, cette île qui vient d'Autarcie, c'est pirate qui a porté d'autres idées, enfin à mon sens, en fait pas du tout. C'est pas du tout sur ça que ça va se jouer. Ça va se jouer sur le fait que les pirates sont plus un petit élément déclencheur de l'intrigue qui arrive, plutôt que vraiment cette confrontation d'idées que je pensais qui serait plus développée. Exactement. En fait, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un élément déclencheur. On s'attend à ce qu'il y ait effectivement des confrontations qui soient très intéressantes. Et en fait... ça dure en longueur pour qu'il y ait juste une fin où ça se rebelle un petit peu, quoi. Mais on s'arrête là, du coup. Oui. Donc c'est assez frustrant, finalement, aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, plus, du coup, effectivement, il n'y a pas trop cette confrontation d'idées, mais ce qui est quand même un peu intéressant, c'est plus de voir... Enfin, ça va plus se concentrer sur comment les gens de l'île vont réagir à cette arrivée extérieure qui vient, à cet élément perturbateur. Et donc, les différentes réactions, les différentes façons de voir l'irruption de l'étranger et de la nouveauté, avec, les différents personnages qui ont tous une approche différente. Et ça fait partie des thématiques, je pense, qui sont assez principales, parce qu'on l'avait déjà... cette thématique du rapport à l'étranger en quelque sorte, avec donc il y a deux peuples qui vivent sur l'île, il y a le peuple d'origine et un peuple de réfugiés en fait, mais qui sont là du coup depuis 300 ans et qui sont toujours considérés comme un peu des citoyens de seconde zone, des réfugiés, etc. Donc il y a déjà ce rapport à l'autre qui est assez présent dans la culture de l'île, cette xénophobie officialisée. Et du coup, avoir d'autres étrangers qui arrivent, et on va voir, est-ce que les gens vont vouloir les accueillir, est-ce que les gens vont vouloir les rejeter, il y en a qui vont y voir une opportunité, il y en a qui vont y voir une menace. Donc toutes ces thématiques-là étaient quand même assez intéressantes, j'ai trouvé, mais traitées un peu vite, et un peu... j'ai trouvé. Voilà, autre point fort. Yoda, je suis sûr que t'en as un peu parlé, mais je suis sûr que tu l'aurais noté dans tes points forts. Enfin, j'étais sûr quand j'allais te demander les points forts, tu me parlerais. T'as pas ? Tu me parlerais des intertitres, des interchapitres. Oui ! Je les ai trouvés, c'est super cool. Mais bon, c'est ma petite faiblesse à moi. J'aime beaucoup. C'est un truc que de base j'aime beaucoup dans toutes mes lectures, quelle que soit en fait. Qu'il y ait des espèces interchapitres dans lesquels sont inclus en fait des éléments. Ça doit avoir un nom, franchement, ça doit sûrement avoir un nom. Mais intra du livre, enfin intra de l'histoire, mais qui apparaissent un petit peu comme si quelqu'un les avait rajoutés après. Ça a très certainement un vrai nom, plutôt que mon explication toute moisie. Diégétique, c'est pas ça, voilà. Diégétique. J'ai adoré ça. Intradiégétique, peut-être. Peut-être. Allez, si disons, on veut. Voilà. Voilà. Et donc, entre chaque chapitre, le roman intrigue. Introduit. Bref, mais entre chaque chapitre, des petits éléments en fait de texte qui viennent de l'histoire, ce qui s'est passé. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que pour le coup, dans le roman lui-même, on y est quand même plongé de façon un petit peu plouf, débrouillez-vous. Voilà. Je ne sais pas combien de chapitres il m'a fallu pour comprendre que la main et la bénisse n'étaient pas la même personne. Mais bon. Je suis un petit peu lente à longue à la détente. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, au moins, avec ça arrive très très vite, cette espèce d'interchapitre qui nous explique la situation, comment est-ce que l'île en est arrivée là, la longue nuit, Enfin bref. Et ça, c'est cool.
Parce que je pense que ça aurait été très très artificiel sinon, que les personnages se parlent entre eux pour se parler du passé, comment c'est arrivé, enfin tout ça. Enfin, on aurait dit, mais pourquoi est-ce qu'ils se racontent ça? Ils sont un peu bêtes. Enfin, ils le savent, quoi. Voilà. Alors qu'en en intrigue. Bref, voilà, c'était très bien. Ah, c'est vrai que t'as raison, ça documente vachement le livre en fait d'une autre façon, et on n'a pas l'habitude de voir ça. Je trouve ça très intéressant comme manière de faire aussi. C'est vrai que ça rajoute un côté autre que le dialogue ou quoi, pour expliquer ce qui s'est passé, comment ça fonctionne sur leur île, etc. Sans voilà, le mettre dans un dialogue par exemple, ou dans le roman lui-même, quoi. Donc c'est vraiment très sympa, effectivement. Ouais, c'est pratique pour le world building. Et en plus, ce que là j'ai trouvé d'autant plus intéressant, c'est que souvent, quand il y a ça, ça va être effectivement des pages un peu d'histoire ou de livres qui vont te raconter le passé. Et là, il y avait ça, mais il y avait aussi des éléments du présent, enfin de la timeline de l'histoire, qui viennent compléter en fait ce qui se passe. Donc le livre est, et le temps passe dans les livres, donc on nous prévient à chaque fois qu'il y a une nouvelle journée qui commence. Le titre du chapitre dit nouvelle journée. Et donc en fait, tu vas avoir ces éléments interchapitres qui vont aussi t'apporter du contexte sur ce qui s'est passé dans la journée. Donc il va y avoir de l'affichage public, des communications entre personnages ou entre lieux, mais qui se passent au moment de l'histoire, donc qui viennent te rajouter aussi du contexte sur l'histoire actuelle et pas juste sur le world building. Et le mélange des deux, c'était très intéressant, j'ai trouvé. Voilà, un autre point fort ou pas? Je vais pas te donner tous les points forts. J'en ai plus de toute façon, donc. Non, on avait parlé de l'univers au tout début, qui était quand même très intéressant. Ce qui est d'ailleurs dommage, c'est qu'on n'a pas tant d'explications sur les lieux, etc. Il y a même des lieux un peu mystiques qu'on aurait presque envie de découvrir et tout, et qu'on verra jamais, ou qui seront pas trop décrit, quoi. Mais sinon, c'est un univers qui est très intéressant, je pense, au niveau des lieux, de l'environnement même, peut-être. Donc, ouais, ça, c'était un point positif pour moi aussi. Oui, assez intriguant aussi, effectivement, au final, comme tu dis, il y a pas mal de choses qui nous sont suggérées, on n'a pas toutes les clés, pas toutes les explications. Ouais. Ça va avec ce côté un peu onirique, c'est toi aussi qui disais ça au début, je pense. Oui. Aussi un petit peu avec tous les pouvoirs en fait qu'ils ont un peu, que finalement on nous explique tant que ça, c'est pas très grave avec, pour le coup j'ai pas trouvé ça très très grave avec, on nous explique pas les pouvoirs parce que finalement ça, c'est un élément d'histoire comme d'autres, mais ces personnages qui ont un petit peu ces pouvoirs, certains qui volent, d'autres qui font du feu, des choses comme ça en fait, et c'est intéressant aussi, ça apporte un petit peu de profondeur à l'univers. C'est ça, exactement. Voilà. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça serait vos points faibles? Au contraire, qui se lance? Bon, moi, je peux y aller sur les personnages. J'ai pas du tout aimé les personnages. Merci. Et en fait, on a notre rubrique « Quel est votre personnage préféré ?» D'habitude, j'arrive toujours à en trouver un. Enfin, vraiment, j'arrive vraiment... même quelqu'un que j'ai pas aimé, j'arrive quand même à bien l'aimer. Enfin, voilà. Là, je pense que franchement, il y a personne que j'ai vraiment bien aimé, quoi. C'est des personnages où j'ai vraiment pas accroché aucun d'eux. On peut... À la limite, comprendre pourquoi ils sont comme ça, pourquoi est-ce qu'ils sont pas sympas, pourquoi est-ce que finalement ils choisissent de faire certaines choses. Mais moi, vraiment, arriver à un point comme ça où aucun personnage ne m'a plu, ça me dérange un petit peu quand même. J'aime bien quand même à un moment donné me dire « Ah ouais, lui, c'est la pire des ordures, mais quand même, je l'aime bien. »
Là, non, en fait. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un que tu pouvais te dire, oh, peut-être, allez, vas-y, peut-être sympa. Non, voilà, derrière, il tue quelqu'un. Puis alors, en plus, ils y vont gaiement quand même, pour tuer les gens. C'est quoi. Vrai, ah oui, complètement. Voilà, quoi. Allez, hop, je te découpe la tête. Voilà, voilà. C'est et vraiment qui est sympa dans cette histoire. Presque, j'ai envie de dire que le personnage le plus sympa, c'est cette pauvre femme qui est en morceaux là, devant une maison. Là. Et bon, qui n'intervient absolument pas dans l'histoire, donc on va pas dire quand même que c'est un personnage qu'on aime bien. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais je me suis dit, c'est, en fait, c'était pas le seul personnage que j'avais trouvé un peu sympathique. C'était elle, quoi. C'est vrai. Super. Enfin... Voilà, c'est quand même assez triste. Donc voilà, bon, le personnage, non, voilà quoi. J'ai pas aimé le personnage. Ouais, je suis pas fan non plus des personnages en particulier. Après, il y en a un qui a un peu retenu mon attention, mais vers la fin uniquement. C'est le personnage de la main, du coup, qui se révèle vraiment vers la fin dans toute sa splendeur, si je puis dire, parce que c'est plutôt de la monstruosité, du coup. Mais voilà, c'était assez intéressant sur ça, mais c'est vraiment le seul que je puisse relever, parce qu'après, comme tu dis, à chaque fois qu'il y avait des trucs peut-être un peu intéressants, ça retombait derrière comme un soufflet, donc c'était trop dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord aussi, ce que je disais au début, ils sont vraiment tous antipathiques. Les personnages. Je les ai vraiment trouvés antipathiques. Après, dans l'ambiance, en fait, même cette société est très antipathique globalement dans son ensemble. Donc, ils sont probablement les fruits de leur société. Mais du coup, ouais, c'était compliqué, quoi. Et j'ai lu. Donc, il y a eu une interview de Chris Vuklicevic qui a été faite par la garde de nuit. Et dedans, elle parle effectivement de George Martin et elle dit que il l'a pas mal inspiré pour les personnages gris. Et j'avoue que je trouve que ce qui est intéressant chez Martin et qui fonctionne bien, justement, c'est que on comprend et on s'attache aux personnages malgré leurs actions qui peuvent être parfois un peu, borderline, genre jeter un enfant d'une tour. Mais qu'après on arrive à les comprendre et à s'attacher quand même à eux. Moi, c'est vraiment cet attachement qui m'a manqué ici. Alors, c'est aussi parce que c'est plus court, donc forcément il y a moins le temps de nous développer cette affection dans ces 300 pages en poche par rapport à je ne sais pas combien de milliers de pages chez George Martin. Mais ouais, j'ai trouvé que là on avait juste le côté antipathique sans le côté attachement, quoi. C'est vrai. Ouais. Et du coup, compliqué les personnages. Surtout en ayant trois personnages point de vue, finalement, est-ce qu'il y en a un pour rattraper l'autre? Les trois, quoi. Parce qu'on pourrait se dire qu'en ayant leur point de vue interne, on pourrait mieux comprendre, mieux compatir un petit peu à ce qui leur arrive. Autant quand on a un personnage vraiment extérieur et qu'on ne le voit que par les yeux de quelqu'un d'autre, on peut se dire, oui, voilà, bon, il est antipathique, mais c'est parce que j'ai pas son point de vue, donc voilà. Là, les trois qu'on a, même avec leur point de vue interne... C'est presque pire, en fait. Avec leur point de vue interne, tu vois que c'est vraiment des connards. Oui, c'est vrai, mais c'est ça, en fait. Mais tout à fait. C'en est un point où tu te dis, mais en fait, ils sont encore pires, quoi. C'est ça. Je ne les aime pas. Non. Voilà. Non, mais c'est vrai, ils sont antipathiques, ils sont sombres, même peut-être, voire déprimants pour certains. Enfin, c'est vraiment très dans le sombre, quoi. C'est toujours comme ça, ouais, tout à fait. Sans voilà. Répit. Puisqu'on est dans les points qu'on n'a pas aimé, je vais encore en rajouter une louche. Je crois que j'ai pas aimé non plus, en fait. L'histoire, enfin, la conclusion de tout ça. Voilà. Donc, j'ai pas aimé les persos, j'ai pas aimé l'histoire, mais qu'est-ce que j'ai aimé? Voilà. Bon, peut-être qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, hein, mais en fait, il y a quand même, du coup, cette arrivée, ce changement, ce bouleversement, tout ça. Pourquoi, à l'arrivée, voilà. Voilà, suspense. Dans la partie spoil, la suite Yoda plus tard nous dira pourquoi elle n'a pas aimé l'histoire.
Moi, sur donc on est sur un peu Je les. suis pas aigrie. Non, jamais. Donc on est un peu sur les questions de scénario. Moi, j'ai aussi eu un peu du mal avec le rythme. C'est-à-dire que parfois j'ai eu l'impression que les choses allaient vraiment très vite, et alors que je l'ai pas ressenti. Et parfois les personnages te disent ah oui, enfin t'as l'impression que ça fait 3 mois qu'ils font des allers-retours ou qu'ils attendent ou qu'ils machin. Et moi j'étais bah en fait ça va, genre t'as posé la question hier, il t'a toujours pas répondu, je veux dire bon. On va se calmer, quoi. Et j'ai trouvé qu'il y a eu. Bon, alors après, je pense que scénaristiquement, il y a eu une accélération du rythme, etc. Mais dans la gestion du temps, je sais pas, ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas ressenti le temps aussi rapide que ce qu'on essayait de nous faire croire. Je sais pas si c'est clair ma phrase. Mais voilà. Oui, si je vois ce que tu veux dire, ouais, complètement. Oui. Merci. Je comprends. Mais oui, on comprend. Ça, en plus, bon, c'est dur de. On peut pas trop donner des exemples non plus tant qu'on spoile pas. Mais est-ce qu'il y a un autre point faible Me dira dans la partie spoil, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre point faible de non spoilant? Non, je crois qu'on a à peu près tout relevé. Hein. C'est déjà beaucoup. C'est déjà Oui, j'allais beaucoup. dire entre scénario et personnage, c'est déjà pas mal. J'avoue. Et rythme. Ok. Le scénario, le rythme, le personnage. C'est ça. Voilà, c'est très très négatif. C'est que moi, enfin, en tout cas, j'ai trouvé c'était très bien écrit. Par contre, pour le Ouais, coup, oui. voilà, faut y aller sur les points positifs. C'est vrai. Et C'est quand même très très, très bien écrit. Voilà. les thématiques, en fait, moi, c'est, je suis presque d'autant plus chafouin, je pense, que, comme on disait, il y avait un gros potentiel. Donc, on a dit le cadre, le concept. Les thématiques aussi, il y a quand même des thématiques assez fortes. Qui sont abordés, par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais je trouve qu'il y a un énorme rapport à la mort, une grosse réflexion sur ça dans le livre, outre le fait qu'il y a des personnages très désagréables et antipathiques et qui tuent des gens, il y a quand même une réflexion même sociétale sur le rapport à la mort dans cette Oui. île qui a des ressources limitées et qui du coup pratique une espèce de. Je sais pas si c'est du spoil de dire ça, arrêtez-moi tout de suite si c'est du spoil, vous pensez? C'est pas du spoil, c'est le contexte. C'est pas du spoil. Ça arrive pas dans le deuxième chapitre, en fait, déjà, Je depuis pense que longtemps. ça Ouais, je arrive très crois. tôt, ouais. Donc une Oui, société c'est qui un très très pratique tôt. une sorte d'eugénisme, en fait, et de contrôle de la population de façon très forcée, mais qui pose des questions, du coup, sur le rapport à la vie et le rapport à la mort, qui sont quand même assez intéressantes. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi une réflexion sur le rapport à la mer. Donc ça, je l'ai peut-être relevé d'autant plus que dans Du thé pour les fantômes, c'était très présent, le rapport à la mer. Mais là, j'ai trouvé aussi qu'il y C'est avait... mon thème. je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de personnages, beaucoup de relations mère-fille et de réflexions sur ça. Donc voilà, c'est quand même deux thématiques que je voulais... Que je voulais soulever parce que bah voilà, il y a quand même des réflexions intéressantes malgré tout ce qu'on peut dire de négatif. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ça ou est-ce que on passe à une partie spoil? On peut passer à la partie spoil pour Non, moi. non, vas-y à la partie spoil. Et c'est parti. Alors on va maintenant spoiler le contenu du livre. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous comptez le lire malgré tout ce qu'on a pu en dire, eh bien je vous suggère d'arrêter de nous écouter et de revenir quand vous l'aurez lu ou quand vous aurez décidé que vous vous en fichez d'être spoilé. Et on va, bah, je pense qu'on peut revenir directement avant de faire nos autres sujets habituels. Je pense qu'on peut revenir sur Yoda, ce que t'as pas aimé dans l'histoire. C'est l'histoire ou c'est la conclusion, c'est le message? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Ouais, c'est un petit peu la conclusion. Parce que autant je comprenais bien que les pirates qui arrivent, c'est presque enfin c'est un élément déclencheur, mais c'est quand même une société qui est quand même déjà un peu au bord de enfin de la limite, enfin et qui attendait que ça en fait, l'arrivée de ces pirates
pour peut-être lancer son espèce de révolution. D'autant plus que ils sont eux plus enfin au bord d'une grande sécheresse et qu'on sent bien que pirate ou pas pirate, je pense que quand même il y avait des risques. Alors peut-être pas que ça aille aussi loin, mais ça aurait peut-être même été l'inverse, si ça se trouve, que les soldats auraient tué la population. Enfin, on n'en sait trop rien, mais bref. Il y avait quand même quelque chose qui couvait dans cette société. Donc, le fait qu'il y ait cette espèce enfin, de révolution, c'est peut-être un grand mot, voilà, hop, était plutôt logique. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'installe à la place, finalement ? Un peu la même chose. J'ai pas l'impression que, à l'arrivée, les gens sur l'île se portent si mieux que ça. Alors, ils ont sorti les gens de la prison, c'est bien, c'est sympa. Ils ont tué leur roi, c'est sympa. Visiblement, ils sont prêts à tuer aussi tous les gens qui habitaient dans le palais, qui ont plus de 10 ans ou quelque chose comme ça. C'est sympa pour les gamins, hein, aussi. Pas ça. Super. Voilà. Et les pirates repartent, enfin il y en a qui s'installent. Alors c'est très rigolo, c'est que finalement ils font une espèce de boucle, puisque les pirates sont finalement les nouveaux arrivés qui étaient les Hashims, comme oui, on veut. C'est ça. Hop, je plouf. Et en fait ils font cette espèce de décalage, en fait un petit peu comme ça, je plouf, chacun prend la place un peu de l'autre, tac 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 tac. Mais finalement c'est une espèce de remplacement pour. Pourquoi ? Voilà, il y a eu des morts en pagaille, il y a eu plein de gens très tristes. Enfin, moi déjà, j'étais quand même assez triste d'en voir certains mourir. Voilà, et finalement pour tout ça, pourquoi ? C'est pas trop. Voilà, donc j'étais un petit peu déçue moi de cette conclusion. Alors que j'ai absolument rien contre les fins ouvertes. C'est quelque chose que, sur lequel je pense que dans toutes mes lectures, je pense que c'est assez clair que ça m'est plutôt égal que les fins soient assez ouvertes, enfin dans le sens un monde continue d'exister après qu'on ait fermé un livre, donc c'est pas très grave. Mais là, je me suis dit mais finalement pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça, je sais pas trop. T'as pas été convaincu voilà. Par la dictature éclairée mise en place par la serpente? pas trop, vraiment, vraiment pas trop. Ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ça fait un peu, on part d'un statu quo pour un autre, quoi. Après, il y a l'espoir que oui. elle ait conscience des dérives du système d'avant et que du coup, elle fasse mieux, mais bon, c'est toujours, faut avoir confiance, quoi. Et surtout qu'elle est seule, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait, comme tu dis, avant l'arrivée des pirates, c'est là que moi, je pense que ça se serait pas effondré. Parce que il y avait un statu quo qui était maintenu par l'équilibre des pouvoirs entre eux. D'un côté, tu avais le natif et la main du natif et ses phalanges, et de l'autre côté, la bénie avec les feutiers, en gros, qui étaient plus ou moins de façon consciente les fonds de la bénie. Et du coup, tu avais cette espèce d'équilibre entre les pouvoirs avec chacun qui maîtrise vaguement l'autre. Alors, aucun des deux n'avait le bien-être du peuple en tête, mais aucun des deux ne laissait non plus l'autre faire complètement n'importe quoi pour maintenir sa part de pouvoir, quoi. Et c'est vrai que cette arrivée des pirates, ça déséquilibre ce statu quo et ça crée la pagaille, hein. Un petit peu. À complet, oui. Mais même si, moi, franchement, j'ai pas été. J'ai pas été complètement convaincu par déjà leur histoire de leur sécheresse. Enfin, je trouve ça super bizarre, leur concept de en fait, tous les ans, on n'a plus d'eau et on meurt de soif et on se tue pour accéder à la rivière. Je sais pas, ça m'a paru bizarre qu'une société comme ça puisse se construire autour de ça, alors qu'en plus, ils ont. Des gens qui ont le pouvoir de maîtriser l'eau, comment ils n'ont pas trouvé une solution en 300 ans? Oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bancal aussi. Je ne comprenais pas trop ce que ça venait faire là et pourquoi ils avaient mis ce système-là en place. Je ne comprenais pas trop
comment ça pouvait fonctionner en fait. Ça m'a pas trop convaincu dans l'intrigue. Et l'autre truc, le truc, ouais, un des trucs pour moi où il y avait quand je disais des problèmes de rythme, c'était, alors pour moi, il y a dans les relations entre les feutiers, j'ai eu l'impression que tout s'accélère un peu de nulle part. Et aussi, un truc que j'ai trouvé très bizarre, c'est la poussée des écailles sur la main, sur Nawomi. Nawomi, je pense. Oui, c'est ça. Pourquoi tout d'un coup, enfin, j'ai trouvé que c'était un peu une sacrée coïncidence que tout d'un coup tout s'accélère au moment où il y a les pirates. C'est-à-dire qu'elle, tout d'un coup, elle a ses écailles qui se mettent à pousser ultra vite alors que ça fait 30 ans qu'elle a des écailles. Tout d'un coup, je sais plus ce qui se passe d'autre. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal aussi de coïncidences qui à un moment m'ont fait. Genre la maison de Arthur là qui s'effondre pile au moment où la Benny est venue le voir et que là tout explose et que machin. Bon, mauvais endroit au mauvais moment, mais je trouve ça un peu facile quand un élément aussi déclencheur est basé sur elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais pas dans Batman. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus que c'est même pas très clair, on comprend pas trop ce qui s'est passé au final, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, comment ça se fait qu'elle était là au même moment, je suis d'accord. Complètement. Ouais. Ça rend un peu le truc facile en fait de la placer là à ce moment-là. C'est Ouais. ça. C'est alors, ok, c'est les autres là qui ont voulu se venger de lui en inondant sa maison et ça a tout fait exploser. Ça j'y crois, ça c'est crédible. Il est désagréable, les gens veulent se venger de lui. Ok. Mais que ça tombe pile au moment où la Benny est là et personne savait et machin. Bon, ça j'ai trouvé ça un peu facile. Voilà. J'ai bien compris à la toute fin, il me semble qu'elle s'en est sortie, en plus comme perso. Il me semble qu'il y a une petite phrase dans les derniers chapitres où on pense que ben, Arthur la croise, je crois. Il me semble qu'ils décrivent une mendiante avec les cils blonds qui a la peau brûlée, etc. Et qui croise Arthur, en fait. Et je pense que c'est ce personnage-là, mais je ne suis même pas sûre d'avoir compris. Ah, j'ai pas du tout relevé. Moi, je pense que je me suis demandé. Je pense que j'ai pensé que c'était justement celle à qui on a coupé les bras et les jambes. Je pense que j'ai Ouais, plutôt c'est moi j'ai interprété passé, ça c'est comme vrai que je ça. sais pas. Moi, j'avais plutôt interprété ça comme ça, comme c'était la celle à qui on avait coupé les bras et les jambes, qui était finalement un peu libérée, mais qui. C'est ça en fait, je sais pas laquelle c'était des deux, je me suis dit est-ce que ça peut être elle, est-ce que ça peut être l'autre, je ne sais pas du tout, ouais. Écoute, après pourquoi pas, effectivement, la Benny qui se retrouve un peu mendiante, elle qui détestait l'odeur des pauvres mal C'est lavés. ça. C'est clair. Encore un personnage désagréable, ça. Mais ouais, pourquoi? Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas de Ouais, t'es positif. le pas sympa. Ouais. C'est Et pareil, moi, une scène qui m'a fait un peu pareil, où j'ai pas compris. Alors, vous allez me dire, peut-être que vous, ça vous a pas choqué, mais pourquoi est-ce que Naomi, la main, donc il y a un moment, elle en a marre, elle se rend compte que son rôle est un peu hypocrite et que pourquoi ça serait elle qui déciderait de la mort des vivants et des morts, etc. Bon, pourquoi pas, même si je trouve que ça aurait mérité un peu plus de réflexion parce que dans une situation où t'es sur une île avec des ressources restreintes, etc. En fait, c'était pas non plus complètement absurde leur méthode. Ça avait l'air d'être en plus plutôt accepté. Enfin, pas dans tous les cas, mais on a vu des cas où bah t'avais les grands-parents qui disaient genre bah ok, moi je laisse ma place pour mes petits-enfants, pour que eux ils aient des ressources et qu'ils puissent vivre sur notre île sur laquelle on a une place limitée. Donc en fait, je trouvais ça plutôt intéressant que ça soit. Qu'il y ait une réflexion sur le fait que ça puisse être accepté, ça. Bref, c'était pas ça ma phrase au départ. Donc, Naomi, elle décide que ça a, en fait, c'est horrible. Et là, elle dit, je vais brûler toute ma maison avec tous mes registres. Tout. Et donc, moi, j'ai un peu un côté. J'aime pas quand on brûle des livres.
J'aime pas quand on brûle des choses qui sont irremplaçables. Et c'est un peu ça le concept de ce genre de registre, c'est une fois que tu les as brûlés, c'est fini, quoi. Enfin... Et donc ça, en fait, j'ai trouvé ça extrêmement violent comme réaction et un peu puéril du coup de dire ah j'en ai marre, et bah écoutez, je vais brûler 300 ans d'histoire, quoi. Enfin... Donc ça m'a choqué. Oui, c'est vrai, en plus, ça fait partie vraiment du rythme qui s'accélère à la toute fin, en fait, où tu te dis, d'accord, il y a des actions comme ça qui sont mises en place, et il n'y a pas tant de réflexion, ça, en fait, comme tu dis, sur le personnage en lui-même, quoi. Donc, ça arrive un peu d'un coup et ça surprend même le lecteur. Enfin, moi, j'étais surprise par certaines décisions, en fait. Oui, avec le côté ultra irréversible en plus qui vient te Ouais. un peu te t'agresser du coup, parce que tant qu'ils font des trucs bon, qui peuvent être réversibles, alors quand ils tuent des gens c'est irréversible aussi, hein. Mais c'est ouais, ça vient dans ce rythme effectivement, comme tu dis, à la fin le rythme qui s'accélère et qui vient te prendre un peu en étau et te dire hé hey, hé hey, regarde, ça va mal se passer jusqu'au bout. C'est ça. Est-ce que vous avez une scène préférée quand même? Moi, j'en ai Non. une, mais vraiment, c'est très. Voilà, c'est parce qu'il faut en trouver une, hein, quand même. Vas-y. Je pense que c'est la transformation entière de Naomi, du coup, de la main, une fois qu'elle perd son bébé, je dirais. Où elle se rend compte que ben elle s'est complètement transformée et qu'elle assume complètement en fait sa monstruosité. Je pense que c'est ça ma scène préférée. Ouais. Je suis d'accord, c'était assez stylé comme scène où en C'est bien plus elle. écrit en plus, je trouvais. Ouais, ça faisait un peu une explosion vraiment, tu ressentais vraiment l'explosion de pouvoir aussi. Je pense qu'elle récupère C'est ça. des dons très puissants à ce moment-là. Ouais, Moi, dans dans ma tête, l'addition il y a notamment qui lui est l'orage à ce très bien moment-là. expliquée. Ouais, Tout à fait. c'est vraiment, vraiment stylé comme scène. Moi, ça a été un peu nuancé par le fait que j'ai trouvé que derrière. Elle l'exploitait pas comme j'aurais voulu. Après, c'est aussi, je pense, un parti pris du livre qui est de venir toujours nous prendre à rebrousse-poil et ne jamais faire ce à quoi on s'attend. Il n'y a pas C'est d'arc de vrai, ouais, rédemption, il n'y heureusement, a ouais. pas. Voilà, elle prend le... Non. elle a cette espèce de transformation ultra badass. On se dit après, c'est bon, elle va tous les venger, ça va être trop stylé. Et pas du tout. Donc, c'est un peu C'est frustrant. clair, ouais, c'est ça. Je pense que c'est complètement exprès, Ah, mais... oui. Bah, c'était un petit peu ce truc à l'extrême finalement. À chaque fois qu'on se dit c'est cool, là il va se passer un truc enfin un peu sympa, voilà, je pouf derrière, voilà, la mort du bébé de Naomi, est-ce que vraiment. Je pense que ça a été le pompon sur le gâteau en fait, moi, à ce Ouais. moment-là. C'était assez C'est violent en plus, vraiment. ça. C'est violent et puis. Oui. Là, pour moi, en fait, ça avait des personnages qui commençaient à plutôt bien évoluer en fait. Cette espèce de réunion là qu'ils ont dans leur hutte, là, machin, c'était plutôt sympa. Et derrière, tu t'es dit, ah, c'est cool, il va en sortir quelque chose de plutôt positif. Enfin, positif. La mère pirate, elle part se suicider dans la forêt. Oui. Oui. Voilà. Et Naomi, elle repart avec son bébé pour qu'il se fasse bouffer par un renard 12 secondes plus tard. Un loup. Enfin, je sais plus. Ouais, je sais pas, c'est pas Oui, c'est ça, important. c'était ça, c'était les loups, ouais, tout à fait. Cool. Sympa. Voilà. Et là, je pense que, en fait, là, ça a été ma limite où je me suis dit, là, après, j'en ai plus rien à faire, en fait. Enfin, j'avais compris que, de toute manière, le moindre petit truc cool qui leur arrivait, derrière, c'était, ça partait vraiment de suite, n'importe comment. Parce que là, c'était un personnage qui avait vraiment cette évolution plutôt positive, plutôt sympa, machin. Voilà, vloum, quoi. Pouf. Voilà. C'est vrai, en plus, c'est important de le souligner parce qu'à chaque fois que tu as quelque chose de sympa pour un personnage, tu te dis, ah bah tiens, ça va peut-être évoluer vers quelque chose de cool. Et en fait, derrière, il se passe un truc encore plus horrible et tu fais, oh bon bah non, bah finalement, tant pis, quoi. Ouais. C'était pas cool. Non.
Moi, en scène, alors encore plus anecdotique, j'avais noté du coup l'interchapitre avec l'espèce de conte sur les animaux que j'ai trouvé Oui, je vois très bien celui que tu veux très dire. marrant avec l'espèce de poule renard vipère, mais bon, c'est un peu d'autres animaux. Et que à la fin, j'ai trouvé ça rigolo la morale de à la fin, ils se font manger par les humains et du coup les humains se disputent parce qu'ils poursuivent la dispute des animaux qu'ils ont mangés. J'ai trouvé ça très rigolo. Mais bon, on est vraiment, on est là, on Non. est même hors de l'histoire, quoi. En fait, dans le genre petite scène que j'ai trouvé mimi, un petit peu, vaguement, très vaguement, c'est quand Erika et une des phalanges, alors laquelle des deux, je me souviens plus, en fait, se passe ce petit moment à se teindre les cheveux et à se coiffer. J'ai Ouais. trouvé que c'était un petit peu mignon. Bon, elle venait de tuer l'autre phalange juste avant. Mais bon. Voilà. Bon, puis visiblement, derrière, elle se fait trahir tout de suite après. Donc ça, c'est pas très cool non plus. Mais bon, voilà. Mais cette espèce Elle de tout petit méritait. moment était plutôt mignon. Oui. Carrément. Moi, j'ai bien aimé le concept des phalanges, je pense, en fait, tout ce concept de la main et ses phalanges et de une espèce d'autorité neutre qui donne la vie et prend la vie. Je trouvais ça super intéressant. C'est un concept en fait qu'on voit de temps en temps, mais pas super souvent non plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'équilibre, etc. Mais cette espèce d'entité un peu assez neutre en fait, qui vient à la fois donner la vie, prendre la vie, et qui va être porteuse de la connaissance de tous les gens qu'il y a sur l'île. J'ai trouvé ça assez stylé. Et même quand, tu vois, les moments où elle croise des gens et elle les reconnaît et elle sait qui sont leurs parents, leurs oncles, leurs grands-parents, etc. Je trouve que ça c'était assez classe aussi. Ça lui donnait une prestance. Avec les différents masques, en plus j'adore ce genre de jeu de symboles. Donc elle a le masque de quand elle donne la vie, le masque de quand elle donne la mort, le masque de machin. C'est encore, voilà, encore plein de concepts et de détails de world building intéressants. En fait, il y avait vraiment plein d'idées intéressantes quand même dans le livre. Oui, j'ai partie des thèmes que j'ai bien aimés de manière générale, en fait, leur gestion de la population. T'en parlais dans les trucs qui étaient bien, et moi c'était aussi quelque chose que j'avais beaucoup aimé sur comment gérer la surpopulation. Alors après, c'est délicat de toujours se dire c'est cette personne qui finalement décide pour tous les autres qui a le droit de vivre et qui doit mourir, en fait. Bon, voilà, hein, ça c'est. Voilà. Mais bon, elle a quand même une certaine logique, elle n'est pas non plus. Oui, elle fait ça de façon assez Pour elle, en tout cas, il y a une objective, logique, quoi. voilà. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. De oui, t'as eu un enfant avec Elle ta a aussi sœur, ce bon bah côté. on va pas le laisser vivre, quoi. Oui, c'est ça, Dommage. ça Ouais. paraît plutôt logique. Elle a un côté très très cynique et finalement aussi au tout début là, finalement quand il y a ce tout premier accouchement et où le père doit choisir qui doit vivre entre l'enfant qui vient de naître et sa mère à lui, qui choisit l'enfant et que tu vois que elle trouve qu'il est stupide, voilà, puisque de toute manière l'enfant ne va pas pouvoir vivre, tout ça, enfin la mère, tout le monde meurt de toute manière, voilà, c'était sympa, ça, vraiment ça donnait bien le ton dès le départ, Ouais, hein, c'est toute la clair. famille était morte à la fin du C'est premier resté un bon chapitre, exemple. voilà. Voilà. Une famille dans le jus tout de suite, quoi. Voilà, mais ça, c'est une thématique qui, de toute manière, est toujours intéressante. Comment gérer une régulation de population. C'est très moche à dire comme ça. Hein. Voilà. Ça a ce petit côté forcément eugéniste derrière aussi. Voilà. Est-ce qu'elle va bénir votre mariage et du coup tout se passera bien, c'est trop cool. Ou est-ce que elle va se pointer en vous disant tout le monde va mourir? C'est trop cool aussi. Voilà. Mais là, en fait, moi, ce que j'ai trouvé presque dommage, c'est que, bah, du coup, il y avait cette espèce de fonction assez stylée et assez neutre et assez pure, et derrière, elle était quand même un peu dévoyée par l'argent. C'est-à-dire que t'as quand même
un côté ok, il y a ses principes, mais tu peux quand même la payer plus ou moins pour que le truc tourne un peu en ta faveur, ou que ton enfant, bon, on le tue pas, on l'envoie dans je sais plus comment ils appelaient ça, le sanctuaire ou je sais pas quoi. Oui, je crois que c'est ça. Mais bon, pourquoi pas, il faut bien financer le temple de la Bénie. Est-ce que vous avez des personnages préférés, ou des personnages moins détestés du coup pour Yoda, qui nous a dit qu'elle n'aimait aucun personnage? On va commencer par Flamme. Flamme, est-ce que tu avais un personnage préféré? Oui, vas-y, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de choisir un perso préféré, parce que comme tu as dit au début, hein, Yoda, c'est que même quand on commence peut-être à apprécier un personnage et son évolution, de suite d'ailleurs, on est un peu déçu par la tournure que ça prend. Donc, j'aurais pas de personnage vraiment préféré en soi. Hein. Non, j'ai pas d'idée qui me vient en tête là, pour le coup. Là, là, là. Bon, moi j'ai un personnage trouvé préféré. Plutôt Mims, ah, vas-y, Yoda. Vas-y. Le petit dernier des phalanges, en fait, il avait l'air plutôt mignon. Oui, c'est vrai. J'avais vu qu'il meurt à la fin. C'était pas évidemment, quoi. Le petit bonhomme, il sert de bouclier humain au roi, et en plus, il meurt, quoi. Voilà. Ah, c'était d'une tristesse, c'était terrible. C'est clair. J'aurais trouvé cool, tu vois, pour le coup, que lui survive, par exemple, en fait. C'est un petit peu ce que je reproche en fait à ce livre. Du coup, je pars complètement sur toi. Tu reviendras sur ton perso préféré après. C'est que finalement, ils ont pas d'espoir en fait. Il leur arrive truc sur truc. Voilà, comme je disais, la main, t'avais ce petit espoir avec son bébé. Voilà, plouf, machin. Et ben, c'est un peu pareil pour le petit en fait, qui est vraiment pour rien dans cette affaire. Tu te dis, allez, ça va être cool, peut-être que ça va, il va s'en sortir. Hop, eh ben non, blâme, il meurt. Oui, en plus, dans les dernières pages, on n'y est plus. Oui, il avait les coutumes, il avait gardé un petit peu ce savoir, et en même temps, il était plutôt mignon et gentil. Enfin, oui. Voilà, je ne sais pas quel âge il devait avoir, il ne devait pas être bien vu de toute manière. Voilà. Mais voilà, il meurt à la toute fin, alors que Maud se dit, allez, c'est bon, lui, il va s'en sortir. Non. C'est nul. Et dans les enfants, l'autre, le fils de la Bénie, justement, qui lui est plutôt mimi aussi. Je sais plus si lui. Oui, c'est aussi. Vrai. Ouais. Celui qui est aveugle. Je crois pas qu'il meurt. Il part pas en bateau, du coup, avec. Oui. C'est ça il que part j'ai... en bateau. Il me semble. Il part avec le bateau. Ouais. Oui, lui, il est plutôt chou en plus. Ouais. C'est clair. Oui, il est chou. Est-ce qu'il a deux lignes de dialogue? Non, mais il est sympa. Oui, hein, mais Je pense qu'il a même plus que deux lignes de dialogue. Il demande si sa mère va venir, il demande si sa mère va venir, et il demande si sa mère va venir. C'est ça. Sa mère n'est pas très sympa, du coup. Non, quand sa même. Mère n'est pas sympa du tout. Mais lui, il est un peu mimi quand même. Et lui, il ne meurt pas, effectivement. Il part en bateau pour découvrir le vaste monde. Du coup, c'est ton perso préféré ? Non, je me suis dit que lui était trop mineur. J'ai pris un perso moins mineur en perso préféré et j'ai mis Judith Creed, la chef pirate, que au final, parmi les persos principaux, est celle qui m'a le plus plu, que j'ai trouvé en fait la moins antipathique en fait. C'est-à-dire qu'elle est, très droite dans son caractère. Alors oui. Elle est assez violente, c'est-à-dire que c'est une chef pirate dans un milieu exclusivement masculin. Elle a eu, mais donc on apprend qu'en fait elle a eu une vie assez intéressante et pas si facile. Enfin, pas si facile. Disons qu'elle a grandi fille de noble ou truc comme ça. Elle s'est enfuie. Elle a perdu son amant avec qui elle s'était enfuie. Elle s'est battue pour garder sa place, etc. Et au final. En fait, au début, on la trouve assez antipathique parce qu'elle nous est présentée par les yeux de Erika, qui lui reproche plein de choses, pas complètement à tort. Hein.
parce que ça reste une chef pirate, donc effectivement elle aborde des bateaux et elle en tue tous les occupants. Mais j'ai trouvé que en fait elle faisait ça de manière assez saine, c'est-à-dire bon bah c'est son job quoi. Voilà, c'est une pirate, elle coule des bateaux. Mais après, je sais pas, je l'ai trouvée assez assez franche et assez vraie dans son dans sa personnalité. Enfin, je sais pas. Elle m'a plutôt plu. Elle a réussi à passer le cap de je m'attache à elle et je la trouve intéressante et plutôt sympathique dans sa façon de vivre sa vie, en fait, de suivre ses convictions, de vivre sa vie. Et même à la fin, quand elle part dans la forêt en mode bon, bah, j'ai exploré toute la terre, tous les océans, etc. Là il y a une forêt inconnue magique etc. Moi je vais aller voir ça parce qu'en fait c'est ça, je suis une aventurière, je suis une exploratrice, je vais voir ça. Et puis bah ma fille adoptive, je t'aime, j'ai fait ce que j'ai pu pour te protéger, bon t'as mal tourné parce que franchement Erika je la déteste par contre ouais. Mais du coup ouais j'ai bien aimé Judith. C'est vrai qu'elle est, elle est plutôt pas mal, je te rejoins sur, sur tout ce que tu dis sur elle. Elle est droite, effectivement, jusqu'à la fin, et elle a même un geste assez touchant quand elle donne les dernières gouttes de sa gourde à sa fille, du coup, avant de partir, en fait, tout simplement. Donc, ouais, je la trouve limite plus humaine vers la fin, et son évolution est peut-être celle qui est la moins pire, si on peut dire, du coup. Mais voilà. Non, franchement, c'est vrai que c'est un perso qui est chouette. En plus de la façon dont tu l'as résumé et présenté, là, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Tu me réconcilies avec. Yes. Ouais, je suis pas trop, trop fan d'elle non plus. Mais en effet, disons qu'elle partait de tellement bas, elle pouvait que monter. Oui, enfin, c'était pas... Non, non, mais elle a une évolution positive en tout cas. Mmh, voilà, ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Oui. Bah, plus on la découvre, mais, ouais, disons qu'elle trouve... elle le démarre de moins 20 et elle arrive à zéro, quoi. Allez, à plus 1 si tu veux. Allez. Mais, Oh, bah, elle a quand même forcé sa fille à se battre contre des personnes en face. Et puis, quand elle le perdait, elle tuait l'autre en face. C'est pas juste, en plus, pour l'autre en face. Et pour rien, la plupart du temps. Quand elle le faisait se battre contre le petit mousse du bateau d'en face, et que quand l'autre en face était en train de gagner, voilà, quoi. C'est pas juste. Je la pardonne. Je sais pas si je lui pardonne. En tout cas, peut-être que je la comprends, en tout cas. Ce qui est déjà pas mal. Je trouve que c'est ça. C'est une Parce que Erika, par exemple, pas compris, quoi. Non. Erika, elle est insupportable. Erika, elle est insupportable. Ouais. Et moi, celui que j'ai le moins aimé, je pense, c'est Posar. Arthur, Posar. Ouais. Arthur Ouais, c'est ça. Ouais, lui... Lui, je pense que c'est celui que j'ai le plus détesté. Alors que pourtant, je les ai détestés, ces personnages. Mais Arthur Posar, je trouve petit qu'il vieux. Est odieux. J'aime bien les petits vieux. Ouais, ouais. Bah, lui, il est odieux comme petit vieux. Enfin, j'ai trouvé... Trapèche, trop, hein. Trapèche quoi ? Il n'y a rien qui le rattrape, finalement. Ah oui, ouais. Il est hypocrite, il est manipulateur, il veut juste se faire de l'argent. Alors, si le seul truc qu'il rattrape un peu, c'est qu'il a l'air de vraiment être attaché à la fois à la Benny et au petit gamin. Mais c'est un peu léger, quoi. Ah oui. Puis il emprisonne tous les gens qui ont des dons un peu dangereux et puissants. Enfin, ouais, non, je trouvais que c'était vraiment une mauvaise personne. Voilà. J'ai bien aimé, dans les personnages pas antipathiques, tous ceux qui sont enfermés, en fait. Ils sont plutôt sympathiques, du coup. Ils n'ont pas eu l'occasion... Ouais. D'être oui, corrompu par cette société toute pourrie, là. Ils sont un peu naïfs, à dire « Ah oui, mais ils nous enferment pour notre bien, machin. » Bon, petit syndrome de Stockholm, mais... Oui, si tu veux. Oui, c'est un peu...
Les deux sœurs, finalement, aussi, qui gardent la prison, aussi. Enfin, Ouais. sans plus... Non, c'est des sœurs. C'est une Je sais mère et plus, sa ouais. fille, hein. Mère et fille, Ou la mère et la ouais. fille. La mère et la fille, ouais. Ouais, voilà. Non. En fait, non, je les aime pas. J'ai changé d'avis. ouais, bon, les gens dans la prison, même s'ils sont quand même un peu con-con, quoi. Un Oui, peu. bah après, c'est... moi je À la pense fin, que. quand même, le veut les libérer, ils préfèrent rester certains, quoi. Enfin. Là, pour le coup, je pense que c'est complètement une question de société, c'est-à-dire ils ont été complètement Oui. éduqués comme ça. Pour moi, ça montre plus que cette société qu'ils ont créée, Oui. elle est J'étais vraiment peut-être aigrie à la fin malsaine. du livre, en fait. C'était pas. Je comprends, moi aussi, vraiment j'étais aigri à la fin du livre, mais je pense que c'est un bel exemple de société malsaine en tout cas. Ouais, ouais, Oui. ouais, ouais, carrément. Oui, eh ben, c'est bien ça mon problème, c'est qu'à la fin, est-ce que ça a changé? Bah là, il Grande faut. question. Vous avez 2 heures. Il Nous faut reviendrons à la tous prochaine y émission croire. pour en parler, C'est ça. justement. C'est bon. Voilà. Bon bah donc pas de Oui. perso préf mieux que ça. Hein. Quelque C'est pas chose à mal, on dire en a quand sur même sauvé un petit Oui, on a sauvé un peu. Est-ce qu'on Parce qu'on a un peu parlé de tous, est-ce qu'on parle de Erika ou de Lama? Lama, on n'en a pas tant parlé, en fait. On a dit qu'on n'avait pas trop compris. Parce que y a Lama, il y a cette histoire avec sa mère. Elle aussi, du coup. Plein peu. d'histoires avec des mères. Oui. Amen, du coup. Ouais, ça m'a pas trop La mère qui était convaincu. main, quoi. Ouais. Je sais pas, je trouve que même avec sa mère, elle est désagréable avec sa mère est désagréable avec elle, enfin là non plus, il n'y a rien qui va, j'ai trouvé. C'est vrai, ouais, tout Ah à fait. bah, moi, ça fait partie de ce grand thème des relations mère-fille que j'ai foutu sur mon Oui. post-it, qui est quand même un grand thème du roman pour le coup. Enfin, j'ai trouvé. C'est complètement malsain. Enfin, c'est malsain, évidemment. Elle est enfermée dans la cave, quoi. Enfin, elle a enfermé sa fille dans la cave et après, derrière, elle est enfermée dans la cave. Et après, inversement. Voilà. À partir de là, ça peut pas bien aller. Ça Oui, fait ça partie reste de leur espèce masculin. de grand mystère en fait, qu'ils veulent pas dévoiler finalement. Que cette histoire, enfin, cette idée que la main est la même depuis le début, ça me posait la question de qui était la main avant sa mère, quand même. Et puis que si elle était un petit peu partie dans l'idée à la base que le petit gamin, en fait, ça serait son successeur. Enfin, c'était un petit peu ce que je sais plus. Ouais. Oui, je crois que c'est Ouais. ça. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, j'aurais eu un problème quand même au niveau voix, peut-être. Enfin, c'était plutôt un Oui, garçon, j'avais l'impression, le petit. Voilà. Donc, voilà. Pas trop, trop compris, en effet. Mais en effet, bon, les relations mère-fille sont pas fabuleuses. Dans tout... Enfin, mère-enfant, de toute manière. Du coup, c'est Ouais. pareil entre Erika et Creed, où c'est quand même pas fabuleux, hein, non plus, quand même. Entre j'ai reperdu son nom la Bénie et son fils parce que du coup elle voit Oui pas du aussi, tout elle, pour le coup quoi donc c'est vrai. voilà Non, pas trop d'exemples positifs, effectivement. ouais bah du coup la main et sa mère puis la main et sa fille derrière enfin l'a connue 2 jours hein, mais Ouais. c'était Elle a décidé. Ça va être ma fille. Ah bah, dommage. Elle est morte. Dommage, elle est morte. Mais... Cool. Je pense que c'est un peu un problème de toute manière, peut-être de manière générale qu'ils ont sur cette île. Alors là, j'extrapole totalement. Hein. Mais c'est peut-être très compliqué finalement de s'attacher à un enfant qui finalement, quand il naît, directement, hein, tue quelqu'un d'autre à sa place, quoi. Enfin. Ça doit être assez compliqué en fait. Se dire, allez, enfin, je sais pas comment marche le contrôle des naissances, donc voilà. Mais déjà, se dire, je vais avoir un enfant, en se disant, ça va forcément tuer quelqu'un d'autre. Compliqué, l'idée en fait, C'est vrai je pense. qu'elle en parle pas trop, mais oui, tu dois pas avoir la même relation, le même rapport que notre monde, que genre, par exemple, quand ta fille tout d'un coup est enceinte, t'apprends que ta fille est enceinte, ça doit pas être une bonne Bah ouais. surprise en fait. Genre, oh non, t'es sûr que tu veux le garder?
Oui, c'est ça, tu ne vis pas de la même manière, je pense, là. C'est chaud. Je suis trop jeune pour être grand-mère. Certains ont plutôt l'air de plutôt le vivre, pas plutôt bien, mais bon, de se dire, bon, bah, c'est parce que je suis arrivée au terme de ma vie, c'est le cycle de la vie, machin, tout ça. La mère et le fils dans leur forêt, c'était pas super sain quand même. Ah, c'est ah oui, mon Dieu, cet épisode. Oh là là. Ah ouais, ouais. Ça, c'était voilà, une bonne glauque. Relation parentale aussi. Mm. Ah oui, celle-là, elle était magnifique. Bah, il avait l'air sympa, le petit. Enfin, oui. Le fils. C'est vrai. Oui, oui. Un petit trauma, mais. Voilà, tiens, un personnage sympa. On en a sauvé un autre. Ouais. Un petit peu traumatisé, à mon avis, mais. Ah, carrément, quoi. Ouais. Bah, c'est faux, hein, aussi. Lui, il a RIP, sa mère, machin, et bah, tu vas garder un des enfants, et l'autre, bah, il va mourir. Bon, bref, voilà. Est-ce que tu as noté autre chose sur tes post-it, Yoda ? Relation familiale au top. J'ai plus rien sur mes post-it, ça y est, c'est terminé. Il n'y avait pas grand-chose d'écrit en même temps. C'était. J'avais écrit relation mère-fille, voilà. T'avais fait qu'un post-it. Et en dessous, j'avais écrit introduction d'un nouvel élément dans une société qui vit en autarcie. Voilà, ouais. C'était mon intro du début. Ouais. C'est dit. Flamme, est-ce que t'as d'autres choses sur dont post-it. Tu voulais parler ? Non, je crois qu'on a relevé vraiment tous les points qui m'avaient sauté aux yeux, en tout cas. Et notamment voilà, les relations mère-fille, on a vraiment plusieurs exemples qui ne montrent pas du tout de relations saines et harmonieuses, hein, si on peut dire. Donc, ouais, complètement. Non, sinon, rien d'autre à relever, en tout cas, rien d'autre dont on a déjà parlé, quoi. Très bien. Moi non plus, je pense. Je pense que... Cette espèce de personnage un peu lointain, un peu bizarre, et sur lequel, en fait, j'ai trouvé... Presque. C'est le roi, en fait. Parce que de base, quand même, c'est une royauté. Un royaume. Bon, mais bref. Et ce personnage, il est un peu très, très lointain et du coup assez bizarre, je trouvais. Enfin, un peu se demander qu'est-ce qu'il faisait. Bref. On approche très peu, finalement, du palais et du coup, on a peu ce point de vue sur le roi et lui, voilà. Pour dire que c'est un personnage qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien, mais très transparent, quoi. C'est vrai. Bah, implicitement, c'est un peu lui qui cause aussi quand même les choses, vu que c'est... A priori, c'est lui qui détourne la rivière et qui crée un peu cette sécheresse, quoi. Donc, c'est un peu lui qui crée la situation pour la révolte, mais c'est vrai qu'il intervient que d'assez loin. Je pense qu'il y a un moment où il discute quand même, c'est lui qui discute avec Arthur, je pense, au début quand même. Mais c'est vrai que on le voit pas beaucoup intervenir, quoi. On voit les résultats de ses décisions, quoi, quand il décide de... Oui, c'est plus ça. D'attribuer les morts aux étrangers, ouais. Quand il décide de pas donner d'eau, etc., mais... Pas que des bonnes décisions d'ailleurs. Et du coup, c'est un peu bizarre, enfin, bon, pas bizarre, je sais pas si c'est bizarre ou pas, parce que du coup, attends, si j'ai bien compris, je t'avoue que j'ai fini le bouquin à un moment, la mère et sa fille. Oui. Ok, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ah, ouf, c'est bon. Je te dis, ça y est, j'ai plus rien compris. Et que finalement, lui, et peu finalement ses attributs de serpent, de choses comme ça, et que ça soit arrivé tout sur sa fille, en fait, ça fait cette espèce de plouf-plouf de saut de génération. C'était un peu saugrenu. Voilà, j'aime bien le mot saugrenu. C'était l'occasion de le caser. Après, j'ai l'impression qu'ils essayent de l'expliquer un peu en disant que potentiellement, c'est parce que la main, du coup, elle a grandi complètement dans la cave, donc peut-être que c'est pour ça que ça a plus grandi, et puis lui, il a l'air de faire plein de choses, enfin, il prend ses bains, et il se met leur espèce de fleur bizarre pour essayer de retarder justement la... Enfin, il y a une espèce d'ambivalence, parce que t'as l'impression qu'ils essayent de retarder, de repousser la pousse des écailles, et en même temps, il faut qu'ils aient des écailles
pour avoir la preuve de leur foi. Donc ouais, non, c'était pas très clair. Finalement, mon explication me convainc pas. Mais parce que pour le coup, t'as l'impression que la main, elle atteint son plein potentiel que justement au moment où elle se retrouve exposée au soleil et sans Pristine pour bloquer les écailles. Pour le coup, c'est vrai. Moi, je me suis dit que potentiellement, elle aurait pu devenir complètement serpent il y a plusieurs années, si ça se trouve, si elle n'avait pas tout fait pour bloquer ça, en fait, en quelque sorte, pour empêcher sa mue. Mais le natif, le roi, je sais pas. J'avais pas du tout compris ça. Ah. C'est vrai que j'avais pas pensé. Puis il y a la main et puis il y a aussi donc cette femme qui est accrochée là, devant la porte d'entrée. Oui. Qui du coup visiblement elle aussi commençait sa mue tout ça et c'est ça que j'ai pas trop compris moi à ce moment-là, c'est que il cherche absolument finalement à retrouver cet aspect serpent un petit peu puisque ça a l'air d'être dilué et plus personne ne l'a c'est vraiment une toute petite infime portion et à partir de ce moment-là où elle cette dame j'ai complètement oublié son nom développe cet aspect serpent au lieu de finalement se dire ah c'est chouette une sauvetrice féminine sauveteur je sais pas comment le dire non finalement ils essayent absolument de masquer tout cet aspect serpent j'ai trouvé ça que c'était un petit peu bizarre. Parce qu'elle n'est pas dans leur lignée. Parce qu'elle était née hors mariage, on a bien compris. Elle n'est pas dans la lignée. Mais finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait, je ne sais pas, de la ramener secrètement au palais De lui faire des enfants. Je sais, c'est moche, je dis comme ça. Mmh. Mais est-ce que ça n'aurait été pas plus judicieux? En attendant, ce roi a l'air un peu con-con. Ouais. C'est clair. C'était pas... Non mais c'est vrai que c'est le sujet de quand t'as un peu le sang divin, la lignée, qu'est-ce que tu fais quand t'as du sang hors mariage? Est-ce que t'essayes de l'éliminer pour pas qu'il y ait de concurrence à ton règne? Ce qui a l'air d'être plutôt là ce qu'ils font, ce qui s'entend aussi je trouve. Après effectivement quand il y en a qu'un tu pourrais dire on essaye plutôt de la récupérer pour venir renouveler notre propre sang. Mais bon est-ce que c'est vraiment renouveler ton propre sang quand c'est ta fille? Je sais pas, il y a un côté aussi exemple et spectacle quoi. Mais c'est vrai que ça aussi c'était ça, elle, c'est vraiment aussi un exemple de cette société horrible qui est que ils ont décidé de mettre une meuf coupée en morceaux sur la place du village pour que tout le monde puisse aller la violer quand il a envie quoi. Et genre c'est normal quoi, c'est ok. Et ça genre les gens quand ils sont vraiment sous ils vont la violer parce que du coup ils voient plus clair. Ça genre mais et ça c'est super tôt dans le livre aussi. Et tu dis mais où je suis tombé quoi. C'est vrai que ça m'avait un petit peu perdu ce passage là aussi. J'avoue que j'étais surprise. Voilà. Franchement, pour Flab qui veut reprendre la lecture, tu sais, on t'a vraiment pas trouvé un truc ultra sympa. Faudra qu'on... Oh. Non, mais parfois, la fantasy, c'est sympa aussi. C'est pas que... que des trucs horribles. Voilà. La prochaine fois, tu liras Wellenstein. Non, sûrement pas. Voilà, en fait, je voulais pas trop spoiler en fait, au tout début en disant que la fin était super moche et tout ça. Mais moi, je trouve que Wellenstein, à la fin, ses livres ont un côté positif. Alors que là, je l'avais pas du tout, quoi, vraiment. On peut avoir des histoires horribles avec des personnages horribles, des trucs vraiment affreux qui arrivent tout le long. Je trouve que, en tout cas, je trouve que Wellenstein, c'est pas. Gratuit. Enfin, là, moi, c'est presque trouvé ça gratuit, en fait, parce que j'ai pas vu la différence à la fin par rapport au début. C'est peut-être là mon souci. et qu'il y a eu peut-être un truc que j'ai pas compris. Voilà. Donc, c'était ça. Et sur ces bonnes paroles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a fait, je pense qu'on a fait un petit peu le tour.
Si vous nous Oui. écoutez toujours et que vous Je avez... crois qu'on a fait pas mal de tours, ouais. C'est clair. Donc si vous nous écoutez toujours et que vous avez apprécié le livre, n'hésitez pas à venir en parler sur le forum de la garde de nuit. Vous serez pas seul, promis, parce que Nampha on avait fait une reco, Shrody avait bien aimé. Globalement, c'est un livre qui avait quand même plutôt été apprécié sur le forum. Donc venez défendre votre livre. Si vous nous écoutez toujours et que vous êtes Puis ça d'accord ferait avec ça, nous. enfin ça ferait plaisir, voilà, Ouais. d'avoir des avis sympas sur le bouquin. Ça pourrait peut-être Oui. nous faire changer d'avis, qui sait? Bah peut-être. Après voilà, si vous êtes C'est d'accord sans avec nous, vous jamais. pouvez aussi venir en parler sur la garde de nuit et dire oui, Exactement. je suis d'accord. Je C'est pas juste vous les suis d'accord, j'ai pas ralous. aimé les persos. Voilà. Et puis si vous voulez venir parler d'autres choses sur la garde de nuit, il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours les bienvenus. Et on vous rappelle donc si vous voulez venir discuter avec nous la prochaine fois, c'est une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian, mardi 29 octobre, et le livre de la nuit de Holly Black, j'ai dit quoi, le 7 novembre, je crois. Et après, en novembre encore, plein d'autres choses qu'on vous annoncera la prochaine fois. Voilà, bah merci de nous avoir écoutés. Merci Oui. Yoda et Flamme pour cette discussion. Merci. Désolé à tous les gens qu'on aurait pu vexer en disant du mal du livre, mais on a essayé d'être quand même constructif et pas gratuit. Et il y avait quand même pas mal de Oui, on a choses quand même cité des intéressantes points aussi. positifs, hein. Ouais. Non, Oui. il y avait quand même du positif. Je pense que c'est plus Oui. voilà. Bref, réécoutez du début. Oui. Et ben voilà, ben merci et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous.